Il n'est pas le père, Sarah Mortensen est sans au cœur d'une rumeur, les révélations de l'actrice. Maman d'un petit garçon, Sarah Mortensen partage la vie de Bruce Tessor qu'elle a rencontré sur le tournage de la série Plus belle la vie, où il interprète Nicolas Berger. Très discrète sur sa vie privée, l'actrice apparut dans les séries Engrenage. Femme de loi, Joséphine, Ange gardien ou Clem avait été au cœur aux rumeurs au sujet du père de son fils. N'ayant jamais dévoilé l'identité du mystérieux papa, certains fans avaient supposé qu'il s'agissait en réalité de son compagnon Bruce Tessor. Une hypothèse très vite balayée par Sarah Mortensen. Interviewée par Téléstar, la comédienne qui fête ce samedi ses 43 ans était revenue sur ces rumeurs avec beaucoup d'agacement. Souhaitant mettre un terme une bonne fois pour toutes à tous ces mensonges. Alors ça, c'est la magie d'Internet. Je n'ai jamais dit nulle part que Bruce Tessor était le père de mon fils parce qu'il ne l'est pas. Ce sont des personnes mal informées qui ont répandu cette rumeur. Je ne donnerai jamais le nom du père de mon fils car il s'agit de ma vie privée. Avait-elle indiqué. Si désormais les choses sont claires concernant l'acteur de Plus belle la vie. L'actrice a cependant souhaité toujours garder le flou concernant le papa de son garçon. Style diva place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen end, minimum 8 990px, div. A place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Ensemble depuis 2015, l'actrice et son compagnon avaient tissé des liens très forts au cours des confinements en 2020. L'occasion pour Sarah Mortensen de faire beaucoup de ménage et de voir que son fils s'entendait décidément très bien avec son beau papa. J'ai rangé tous mes placards, je pratique beaucoup de sport, je fais aussi l'école à la maison pour mon fils. Virgule, on nous demande simplement de rester chez nous, de prendre soin de nous. Donc je prépare beaucoup à manger, confiait-elle à RTBFB. Remerciée de Plus belle la vie en 2019, elle avait confié à Télé Loisirs, je pense que ça a été très précipité. J'ai envoyé un mail dans lequel j'explique que, contrainte et forcée mais la tête haute. Je partais vers de nouvelles aventures. Je sais que le meilleur est devant moi. Guillaumet.